et au YouTube. Notre expédition au sommet de l'Olympe s'est mal passée. Les portes de l'Hadès ne m'ont jamais retenu. La mort ne peut pas retenir ceux qui ont un but, Kratos. Athéna, tu m'as manqué, Spartiate. Grâce à mon sacrifice pour sauver Zeus, j'ai accédé à une existence supérieure. Tu sembles encore être une Olympienne. Les apparences peuvent être trompeuses, Kratos. Tout comme les enfants de l'Olympe. Peut-être, mais souviens-toi, c'est ta lame qui m'a donné la mort. Ma fronde était destinée à Zeus. Trêve de bavardage. En ce moment, la guerre pour l'Olympe fait rage, et l'humanité souffre. Laisse-les souffrir. La mort de Zeus, c'est tout ce qui m'importe. Zeus ne tombera pas aussi facilement qu'Arès. Pour détruire le plus grand des dieux, cherche la source de son pouvoir, la flamme de l'Olympe. Tu t'es sacrifié une fois pour sauver Zeus, et maintenant tu cherches à l'anéantir? Que nous vaut ce changement? Toutes ces vérités, je les ignorais. Peut-être qu'ainsi j'aurai ta confiance. Voici les lames de l'exil. Elles te guideront dans ta quête pour trouver la flamme. N'oublie pas, tant que Zeus régnera, l'humanité sera sans espoir. Détruis la flamme, Kratos, et l'Olympe ainsi que ses fondations s'effondreront. Mais elle m'a nerfé, là. Elle m'a à nouveau nerfé. Enfer. Ici s'achève le grand périple que chacun doit entreprendre. Et dont on ne revient jamais. C'est bon, Hadès, j'ai déjà battu plusieurs fois dans Hadès. Il ne me fait pas peur. On a failli mourir. Ah, c'est Hadès température zéro, du coup, y a pas de challenge. Œil de Gorgone. Bonjour. Tchon. Ah ouais. Attends. Je vais faire le grappin de combat. Ça a pas très bien marché. Ah. Ça fait de l'XP. D'Hyperion. Seuls ceux qui possèdent l'âme véritable d'un dieu peuvent faire des choses. Tchon. Que j'aille là-bas. Ma parole, c'est Hadès 2. Avec cette musique.
très très bien. Il y a des gens qui meurent en continu. Attention, ceci, ça sent l'arène. Je savais que tu reviendrais, Spartiate. Je t'ai manqué. Armée de Sparte, faites venir une phalange de boucliers et de lances qui repousseront vos ennemis. Comment ? Les lames de l'exil te seront utiles, Kratos. Utilise-les pour appeler l'esprit de tes frères Spartiates exilés. Bam ! Ah oui ! C'est le boss de Demon's Souls, ça. Belle phalange grecque. Ne touche pas. J'aime entendre toute ta souffrance. Ça, c'est pas pour tout de suite. Chemin recouvert de ronces, il est impossible de passer maintenant. Obligé, on a toujours. Dans sa bouche là. Tiens. 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 L'autre est mort, je sais pas pourquoi. Dégage. Dégage. Dégage aussi. Il a un pote. Vas-y quand tu veux. Vas-y descends. Voilà. Merci. Un mot gribouillé par une âme torturée. Aucune fleur délicate ne peut s'épanouir dans cette obscurité oppressante. Ce soir, j'honore l'invitation d'Hadès et me joins à sa table. Mais je jure que je ne quitterai pas ce lieu infâme sans vous. Rien ne nous séparera. Perséphone, ma bien-aimée. Pirithous. Perséphone, elle est morte. Je l'ai tuée. Dans Chains of Olympus. Elle est dead. Oh non. J'ai mes phalanges avec moi. Phalange. Phalange. Reste là. C'est terrible. Boum. Pas à touche. Trompé. Ah, les QTE à chaque fois. Très très compliqué.
Petit ou Tito. Ça le fait rire en tout cas. Est-ce qu'il y a quelque chose? Ah! Toujours un truc. Toujours un truc. Ce doux son. Ok. Sans. On peut pas aller là-bas. Toi. Moi. J'ai assez souffert. Connais. Ah, c'est Pyritus. Hadès, il m'a condamné à ce supplice éternel. Ma prison de petit bois. Mais maintenant que tu es là, tu peux me libérer. Je n'ai que cet arc à te proposer. Je t'en prie, si tu me libères, il est à toi. Oui, je vais te libérer. T'inquiète donc pas. Les dieux ont eu raison de te maudire. Pourquoi ? Gros bâtard. Qu'est-ce que tu fais ? T'es quoi, toi ? Ok, un espèce de sanglipore là-bas. Le mec il me dit, Dieu a raison de te maudire. Fumier. Éloigne donc ces flammes. Ah non, non, je les éloigne. Éloigne rien du tout. Attention, éloigne ces flammes. Comment? Tu veux que j'aille là-bas? Éloigne ça de moi. Éloigne ça de moi. Je suis censé. Qu'est-ce que je fasse? Imbécile, tu vas me brûler vif. Oui, c'est objectif. Qu'est-ce qu'on veut exactement? Si je brûle, je ne te serai d'aucune aide. D'accord. Il faut allumer le brasier. Du coup, faut l'emmener là-bas. Ensuite, le ramener ici. Très vite, je présume. Ah. Saut des snais. D'accord. Pas tout à fait très très clair, mais compris. Éloigne ça de moi. Je t'en prie, fais plus attention. Ouais, je ferai gaffe. Mais, fais un effort. Fais un effort.
Ça va très bien se passer. Allez, viens. Ce monstre m'approcherait. Ça mène pas. Ah mais... Pitié, saleté, va. Je ne peux pas mourir ainsi. Non mais tu mourras pas ainsi. Pas totalement. Viens là. Viens là. Pitié, Spartiate. Il veut pas. J'en ai pas fini avec la vie. Je prends Lexi. Ah mais merde. Pitié, ne me vole pas mon avenir, Kratos. Qu'est-ce que tu fais? Je vais te sauver, j'ai dit. Voilà. T'es sauvé ou pas? Un arc redoutable qui appartenait autrefois au dieu Apollon. Tu as remporté l'arc d'Apollon. Ses flèches enflammées dégageront. Oh la vache. Blub 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 blub. La mitrailleuse. Ça défoure rien. Qu'est-ce que ça signifie? Faire ça. Et du coup, où est-ce que j'y vais? Comme ceci. Salut. Je vais te libérer. Voilà. Toujours plein de compassion, Kratos. Toujours prêt à aider son prochain. Un mot gribouillé par une âme torturée. Cette mélodie ne s'arrêtera jamais. Cette voix chante la souffrance et le dieu et le deuil. Des sentiments par trop familiers, mais qui n'ont pas encore eu raison de moi. C'est lorsque cette voix chante l'espoir que je ressens une véritable angoisse, une nostalgie de ce que je n'aurai jamais. Ok. Est-ce que c'est Eurydice et Orphée? Eurydice la chouin. Elle est de retour.
La Chouaridis. J'aurais pas dû. Oh non. Tu dégages. Tu dégages. Rien d'autre qui apparaissent. Voilà. T'as les boîtes. Ok, je croyais pas trop là. Le juge des enfers. Plutôt les. Je suis vivant. Mais non. Loin en plus ça. Non, ça va. Attends, c'est quoi cette saloperie là-bas? On peut discuter? Une magnifique statue de bronze représentant une jeune fille. Très bien. De sauvegarde, on sait jamais. Un message est gravé sur la plaque. Quiconque veut être jugé doit auparavant passer les épreuves d'Erebus. Super, un quiz. Oula. Jugement 1. Le condamné. Alimenté par la peur, les égarés du monde d'en haut n'ont nulle part où se réfugier pour échapper à leurs péchés. Venez à bout des âmes perdues et des sbires qui déterminent leur sort. Zabardi. Phalange. Phalange partout. Tue des innocents. Des gens qui n'ont rien demandé. Excusez-moi, c'est...
Ah. Des zombies. Alors, ne foncez pas sur les bras, bande de cons. Laissez-moi vous tuer avant. Arrêtez d'être con. Arrêtez de bouger. Vous êtes déjà mort. Jugement 2. Les égarés. Pourquoi les âmes condamnées d'Hadès continuent-elles de chercher leur salut alors qu'elles sont à jamais maudites ? Tuez les âmes égarées avant qu'elles ne rejoignent l'armée d'Hadès. Ah. Arrêtez. Arrêtez-vous. Faites en sorte de vous arrêter. Bon, dis donc. Ah, je peux faire ça avec ça. Boum, 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 boum. Bon, c'est pas si mal. Tiens! Saloperie, va. Bon, tu vas dire bonjour, madame. Tiens. Poignarder le Minotaure permet de gagner des orbes de santé. Tiens. Jugement 3. L'élu. Pour passer les portes de l'Elysée, il faut davantage que de la persévérance et de la force. Avancez pour subir votre jugement et prouver votre valeur. Détruisez tout. Ok. Non. Ah, tu meurs. Reste là. Oh la vache. On vole. Hein. On voyage avec les Minotaures. Ah. On a bien tout détruit. Et on peut même développer les lames, même pas. On est dégoûté. Chaque fois, je vais faire un câlin au corps. Ok. Level up.
On est tout bon. Par ordre de Zeus et des dieux de l'Olympe, nous sommes les trois juges. Accepte ton ultime jugement, mortel. Le roi Éacte t'a trouvé décevant. Le roi Radamante t'a trouvé remarquable. Et c'est à moi, le roi Minos, de prendre la décision ultime. Ton avenir se tapit dans l'ombre. Le royaume de la mort n'est pas encore prêt à t'accueillir. Ta destinée t'attend derrière cette porte. En tout cas, Adamantis nous a kiffé. Et c'est tout ce qui compte. Adamantis, hein. Pour toujours le meilleur chevalier d'Hadès. Pour ceux qui connaissent Senseiya. Et bien sûr Thanatos. Ça j'ai pas encore. C'est encore le truc qui sauve le cœur de Gaïa. Est-ce que ça serait du Mithril? Les trois juges, les rois Minos, Éaque et Radamante, jugent les cœurs, ne sont acceptés à les que les âmes qui s'en sont dignes. J'ai pas eu le temps de tout lire. Je ne m'attendais pas à ce que ça passe. Je suis triste. Mais j'ai pas envie de tuer Radamantis, moi. Minos et Éaque, pas de soucis, mais Radamantis quand même. Comme eux-mêmes. Pas abusé. Bouillon. Oh oui. Pas mal. Ça, tapez-vous entre vous. C'est ce que j'aime. Surprise. Hein. Mange ta soupe. Très bizarre ce reflet. Ah, arrête de faire des câlins au coffre. Un œil. Merde. Un mot gribouillé par une jeune âme. Les feux, les hurlements. J'avais tellement peur. Pourquoi Père ne nous a-t-il pas protégés? Les juges pensent que je dois aller à l'Élysée et que j'y serai bien. Ma famille me manque. Qui est donc? Je vois que ça descend. On essaye de me la faire à l'envers. Ok, c'est pour plus tard. Père? Quoi? Calliope? Tu n'es pas ma fille. Non. Mais je sais qui tu es. Tu me connais? Ils avaient dit que tu viendrais. Camus Rados,
Montre-toi, Hadès. Encore une de tes ruses. Comme toujours, Spartiate, tu te trompes sur toute la ligne. Affronte-moi, lâche! Quelle impatience, Kratos. Détends-toi. Le moment viendra bientôt de jouer ensemble. Moi, je veux jouer maintenant, moi. Allez, bien joué. Casse-moi ça, par contre. Je ne saurais tolérer de ne pas casser un pot. Oh, terrible. Ok, ça ne l'allume pas. Mais du coup, l'âme de la gamine, là, on s'en fout. Semblerait. Un mot gribouillé par une âme torturée. C'était ma responsabilité. C'était à moi de l'élever et de lui apprendre à distinguer le bien du mal. Aujourd'hui, ceux qui s'en approchent souffrent ou meurent. Son épouse, son enfant, son frère et maintenant moi-même. J'ai échoué, en tant que mère et en tant qu'être humain. Ses péchés sont les miens. Punissez-moi par ses fautes. Et accordez-lui la rédemption. La baba ? Serait-ce la baba des Kratos ? Oh ! On peut dasher comme ça ? Kratos n'aime pas les vases. Tous les personnages de jeux vidéo. Il n'aime pas ça. Il trouve ça crade. Ah, ça pète. Tiens. Ça brûle ou pas? Ça brûle et ça explose. Quand tu veux. C'est un échec. Oula. Les textures. Bon, faut que je rappelle que le jeu n'est pas stable normalement. Du coup, s'il y a des petits problèmes, c'est normal. Petit barbecue là. On va aller s'empaler. Oh, il y a des rats en enfer. C'est endémique. Il aurait pu me sauver. Il avait ma vie entre ses mains, mais il m'a lâché. J'étais peut-être qu'un simple capitaine de bateau, mais je ne méritais pas cela. C'est à lui que je dois mon tourment. J'espère qu'il souffre dans les flammes de l'enfer, comme j'ai souffert. Maudit soit ce fantôme de Sparte. Je me disais bien que je reconnaissais cette rancœur. Quand je me lève. Ah, deux secondes. Oh là là. Trop pressé de mourir. C'est terrible. Très très serré. Qu'est-ce qu'on veut?
Qu'est-ce que je dois péter avec ça? Rien du tout? Non. Réaction en chaîne ou pas? Pas du tout. Ça a bien un rapport avec je ne sais qu'est-ce. Meurs. Et du coup, qu'est-ce qu'on veut? Toujours plus haut. C'est dans lequel que on arrivait en enfer et on devait escalader un mur, il y avait plein de mains comme ça. La plume du phénix. Phalange. Ouais, c'est un petit coin à farm. Miam 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 miam. 426. Oh mais l'autre il pleure là. Tu crois que je l'ai pas vu? Tiens, je te libère. Toi aussi, je te libère. Libération. Ah. Et si elle truiste? Abîme du Tartare. Ces terres desséchées s'étendent à perte de vue. Ouais, c'est bon, on les a déjà arpentées, les terres du Tartare, nous on les connaît. Ouais, c'est sûr qu'ils étaient pas tout nus pour rien. Caramel ? Comment oses-tu ? Caramel avec du spéculoos, s'il te plaît. Ah,
trompé. Oh, il me l'a repris. Je suis digne. Tais-toi. La forge. Faisos ? Laisse-moi tranquille. Je te le dis, j'ai payé le prix. Calme-toi, dieu forgeron. Le fantôme de Sparte, c'est toi. Bien, bien, bien. Je pensais que Zeus t'aurait déjà éliminé. Je n'imaginais pas te voir encore dans cette caverne. Zeus m'a emprisonné ici. Mais c'est par ta faute que je vis dans le tourment. Je ne t'ai rien fait, Héphaïstos. Je ne poursuis qu'un seul Olympien. Eh bien, tant qu'il ne s'agit que d'un seul Olympien... Je cherche la flamme de l'Olympe. Que sais-tu sur elle? Et pourquoi, Spartiate? Pour des raisons qui m'appartiennent. Maintenant, dis-moi ce que tu sais de cette flamme. Tous les enfants de l'Olympe connaissent son existence. Nous avons appris à respecter son pouvoir. Mais ne te laisse pas duper par cette flamme trompeuse. Aucun homme ni aucun dieu ne peut toucher ce feu mortel. Je dois simplement la trouver. Si tu as su retrouver ton chemin dans les enfers, je suis sûr que tu trouveras ton chemin jusqu'à la flamme de l'Olympe. Tu m'as été d'une aide précieuse, Héphaïstos. Très bien. Il est fou. Et du coup, on va s'arrêter là. On se voit au prochain épisode YouTube. Ciao.